Les raisons pour lesquelles j'ai choisi de parrainer le DESMA sont multiples. La première raison, c'est que j'estime que le DESMA est le meilleur master achat en France. J'ai le plus grand respect pour Natacha Tréhant et la qualité du corps professoral. Et d'autre part, je sais par mon expérience avec les autres directeurs achats que je connais, notamment à travers l'ADRA, que les diplômés du DESMA qui sont dans les entreprises réussissent très bien. Une autre raison qui est aussi importante, c'est le sujet choisi par Natacha Tréhant pour cette année, qui est le sujet de l'innovation, que nous travaillons particulièrement chez Pierre & Vacances. Alors, le service achat participe au développement de l'innovation chez Pierre & Vacances de deux manières principales. La première, c'est de vraiment très bien comprendre les besoins des clients externes, donc le client final qui va sur nos villages et sur nos parcs, et les besoins des clients aussi internes. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est vraiment d'avoir une très très bonne connaissance du marché fournisseur, que ce soit des fournisseurs stratégiques, de ce qu'ils sont capables de faire, et aussi des PME et des start-up qui offrent constamment des nouveaux services qui sont autant de sources d'innovation pour nous. J'estime que l'innovation, c'est réellement un terrain de conquête très important pour les achats. Les acheteurs sont extrêmement bien placés pour faire justement cette relation entre les besoins des clients et ce qui existe sur le marché. Leur formation généraliste et leur position transversale dans l'entreprise est particulièrement favorable pour mettre en relation ces besoins et ces capacités du marché. Donc l'innovation est réellement un terrain de jeu dans lequel les achats peuvent s'épanouir et doivent s'épanouir et doivent se développer. C'est certainement pour les acheteurs, pour les managers achats et pour les directeurs achats une dimension qui va prendre de plus en plus d'importance dans leur métier.